Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir à vous, je suis ravie de vous revoir ce soir pour la deuxième émission Sortez de la dépendance affective et déployez vos ailes. Et vous avez été très nombreux là il y a deux semaines avec Olivier Maslow, donc merci beaucoup. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Christophe Rossa, qui est un collègue de formation en décodage biologique, et lui, il allait plus loin que moi, il est devenu formateur. Donc, va éclairer votre lanterne ce soir sur comment s'installe la dépendance, et on va voir aussi différents supports que peut prendre la dépendance. Alors Christophe, je te souhaite la bienvenue, à vous aussi, merci d'être là, et c'est à toi, tu peux y aller. Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Patricia, déjà merci de m'accueillir. C'était chouette de répondre au pied levé parce que ce n'était pas prévu ce soir non plus. Donc, en tout cas, pas aussitôt. On fera ça le 9 mars sur du coup un deuxième sujet plus vaste, j'espère. Et c'est chouette de participer à ça parce que je ne suis pas allé plus loin que toi. Je suis allé sur une autre route différente. Et c'est chouette de pouvoir recouper et remettre ensemble nos routes encore et de voir comment on peut partager ça. Donc, merci. Je vais me présenter un petit peu, peut-être, pour ceux qui n'ont pas lu ou lu en travers la petite présentation que j'avais faite. Donc, j'ai 45 ans, j'ai une petite fille, je suis séparé et aujourd'hui dans une relation qui est très chouette. Très chouette des deux côtés. Je suis thérapeute en décodage biologique aussi. Puisque ce n'est pas ma seule casquette, je suis en premier, historiquement, thérapeute en thérapie manuelle énergétique Poirier. C'est une espèce d'ostéopathie douce qui va résoudre les problèmes physiques, douleurs, organiques, souvent, émotionnels, parfois, grâce à des techniques de stimulation poirienergétique. Donc c'est très doux. On soigne les endroits de genoux autant que les maux de ventre ou les coups de mou émotionnels. Et en cours de formation en thérapie, on m'a parlé du décodage et il m'a semblé que le décodage biologique était très bien associé à ce qu'on faisait déjà en thérapie manuelle. Donc j'ai fait la formation en décodage, forcément, c'était chouette. Et j'ai encore avancé sur moi. Parce qu'il fallait préciser qu'à l'époque, j'étais un peu plus près de la date de l'accident que j'ai eu en 99, un accident de moto. Je faisais de la compétition et je suis sorti de la route parce que j'allais trop vite. Je voulais être le premier et le deuxième, ça suffit. Ah. Mais on reparlera du coup de pourquoi, parce que ça revient souvent et je me sers souvent de mon histoire parce qu'en fait, le parcours que je donne, que je propose à mes consultants qui viennent me voir pour me sortir d'un problème, ben je l'ai fait. J'ai traversé avant eux, j'ai ressenti avant eux tout ce qu'ils vont ressentir dans la séance ou dans le protocole qu'on va faire ou dans les outils qu'on va utiliser. Et du coup, je sais très bien comment ils vont réagir et je suis rarement surpris, souvent étonné du résultat parce que c'est quand même magique et ça reste magique à chaque fois. Et après ça, j'ai commencé encore un autre, là, très récemment, un outil qui va travailler plus sur la relation entre le père, la mère, l'enfant, au niveau de l'identité sexuelle de l'enfant, garçon, fille, homme, femme, masculin, féminin. Et là, il y a de très, très grandes choses à voir que je vais peut-être aussi utiliser ce soir déjà. Bien. Le cœur du sujet ce soir, c'est la dépendance affective. Donc, du décodage biologique. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le décodage biologique. Pour ça, j'ai un petit PowerPoint que je vais partager avec vous.
Pendant que tu partages, je voulais dire aux spectateurs que vous pouvez nous poser des questions dans le chat et puis je répondrai. Donc, on va trier tout ça. Et puis, poser des questions par la suite. Voilà. Vas-y, Christophe. Bien. Donc, le décodage biologique pratique, puisque c'est comme ça qu'ils appellent, selon Christian Flesch, parce que je suis issu du courant Christian Flesch, on va en reparler tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais faire très vite. Ça, c'est issu d'une conférence que je donne très régulièrement. La conférence dure une heure et demie avec beaucoup de choses dedans. Je vais aller très vite ce soir, juste pour vous ayez une idée, un ressenti, comme on dit, de ce que c'est. C'est d'abord une autre manière d'aborder la maladie. On ne se cantonne pas aux symptômes et à éradiquer le symptôme. On va chercher pourquoi il y a ce symptôme et qu'est-ce qu'il veut dire. Comme si on recevait un appel téléphonique, le téléphone sonne, c'est le symptôme. Si on ne décroche pas, on ne sait pas qui veut nous parler. On ne sait pas ce que veut dire symptôme. Si on met un coussin sur le téléphone, on entend moins. Ça, c'est les médicaments légers. Et puis, si on fait une opération chirurgicale, on coupe le fil du téléphone, là, il ne sonne plus. Mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Alors que si on décroche, on écoute ce qu'on fait en décodage biologique, on va écouter ce que ça veut dire, on va écouter l'émotion qui a derrière, qui dit « Ah, je ne vais pas bien », parce que ça, c'est pareil. On va chercher le pourquoi, pas le comment. On vient mal. Le comment, on sait, la médecine, c'est très bien, elle nous supporte très bien là-dedans. On a des très bons diagnostics et c'est parfait. Je vais très vite sur les deux approches qui sont liées historiquement au docteur Hammer, allemand, qui a créé la médecine nouvelle. C'est lui qui a découvert le décodage biologique. Je vous laisserai voir comment, si vous voulez chercher, il n'y a pas de souci. Il y a une branche plutôt biologie totale qui parle de prise de conscience. Cette branche-là pense, estime, expérimente, valide de son côté, hein, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça, que la prise de conscience suffit, que la théorie suffit, et voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Du côté de Christian Flesch, je suis allé vers lui parce que celui qui nous parlait de décodage venait de Christian Flesch, forcément, j'ai été induit aussi de mon côté, il faut l'avouer. Ça s'appelle décodage biologique pratique. Et on a aussi la prise de conscience qui prend une grosse part du truc, grosse, 10 à 20% des cas suffisent en prise de conscience. Mais on joue surtout sur l'accompagnement. On accompagne, on permet et on va recevoir les émotions de la part des patients. On ne va pas dire tu es malade parce que ça, on va dire explique-moi pourquoi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui fait ta maladie et libère ce que tu n'as jamais libéré. Hop là. La maladie, c'est une intention positive, c'est un coup de téléphone pour nous prévenir de quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Ce qui ne va pas, c'est un conflit à l'intérieur de nous, émotionnel. Un conflit émotionnel, c'est quoi? C'est une grosse émotion qu'on a eue, qu'on n'a pas su gérer avec notre tête. Contextuellement, il y a quatre paramètres qui ont merdé. On va les voir. Alors, je parle comme je suis désolé, je ne vais pas être comme d'habitude. J'ai les patients qui viennent me voir, les gens dans mes formations, mes ateliers, ils sont adaptés à moi, mes collègues ont leurs consultants, j'ai les miens, il n'y a pas de concurrence parce que à chaque fois c'est une connivence entre le thérapeute et la personne qui vient de voir, qui doit régler le truc. Donc je ne vais pas faire celui que je ne fais pas parce que je ne suis pas celui-là. Reste naturel. Jung disait déjà, Jung, celui qui parle de psychologie, voire de psychiatrie, disait déjà, nous ne sommes pas là pour nous guérir nos maladies. Nos maladies sont là pour nous guérir. Donc elles ont une intention positive. Et on retrouve ça. On retrouve ça parce que cette maladie, c'est une solution pour nous, les codeurs, d'adaptation. Une vraie cause, une viande avariée, va produire un effet mal de ventre. Okay. Mais on peut demander pourquoi, quelles sont les causes des symptômes, eczéma,
cancer du poumon, fracture du bras. Parce que pourquoi pas, tout ce qui arrive à notre corps, y compris la fracture, pourrait avoir une cause. Donc, pourquoi? Et alors cette cause, physiologiquement, on connaît. Physiologiquement, c'est la viande avariée qui nous rend malade. Mais pourquoi des fois on a mal au ventre? Pourquoi des fois on vomit alors qu'on n'a rien mangé de mauvais? Pourquoi des fois on a des eczémas alors qu'il ne s'est rien passé, qu'on n'a pas eu de contact avec aucun produit toxique, dangereux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que notre corps réagisse quand même? Eh bien, on va parler d'inconscient, mais de l'inconscient au niveau décodage biologique. L'inconscient, pour moi, c'est le super ordinateur qui pilote notre corps. C'est la super machine qui va gérer notre pouls, notre tension, tous les doses hormonales qui sont nécessaires tout au long de la vie et tout au long de la journée, à chaque moment de la journée, pour régler notre rythme de sommeil, nuit, tout simplement déjà. Je ne parle même pas du cycle des femmes qui est extrêmement précis et majestueux balai d'hormones. Et pour notre inconscient, donc, lui, il est câblé, cet super ordinateur, il est câblé comme le réel, c'est pareil que le virtuel ou l'imaginaire. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de différence entre le virtuel, l'imaginaire et le réel. Donc tout ce qu'il va imaginer, c'est réel. Et tout ce qui est virtuel, c'est réel aussi. Donc une nuit invariée va être ressentie par l'inconscient de la même façon que la dispute. La dispute, c'est je ne peux pas digérer de me disputer avec celle que j'aime le jour de la Saint-Valentin. C'est insupportable. Pour moi, c'est un jour magique. Et ce soir-là, on se dispute. Ce soir-là, je vomis. Je vomis parce que c'est aussi indigeste qu'une nuit invariée. Et ça, c'est notre inconscient qui nous le dit. Je ne voudrais pas faire le test et en même temps j'ai envie, c'est un peu tard, là c'est déjà 20h. Ah, il y a peut-être qui n'ont pas encore mangé. Ceux qui n'ont pas encore mangé, si je vous disais que je vous offre un apéritif maison, tout à l'heure à la fin de l'émission, à base de citron et de vinaigre, ça fait quoi chez vous? Dans votre bouche? Oh. Hein? C'est pas terrible. C'est quoi la réponse biologique à cet apéritif de tout à l'heure? C'est dégueu. Ouais, ça t'est le dégoût. Certains salivent. Hein? La salive qui peut être là aussi. Et la salive, ouais, c'est là. Vrai. La salive, elle est là, ouais, juste. Elle est là. Et pourquoi la salive? Bah, pour diluer l'acidité. Mm-hmm. Oui. Ah, dis donc. Ton inconscient, il vient de te montrer, de nous montrer, de vous montrer à tous pour ceux qui ont salivé, parce qu'il y a des qui adorent le vinaigre et le citron. Il vient de montrer que tout à l'heure, c'est dans le futur, c'est virtuel, c'est imaginaire. Vous n'avez rien maintenant dans la bouche, mais votre biologie, elle crée la réponse biologique à l'agression. L'agression, c'est l'apéritif de tout à l'heure. Okay, c'est incroyable. Eh bien, votre maladie, elle est pareille. Elle va se déclencher parce que dans votre inconscient, il y a un conflit et qu'il faut répondre au conflit. Parce que dans le futur, il va se passer quelque chose, ou maintenant, il y a quelque chose qui est ingérable, qui s'est passé hier. Parce que pour l'inconscient, il n'y a pas non plus de hier, il n'y a pas non plus de futur. Tout est maintenant. Si tout est maintenant, il faut répondre maintenant. Le BioShock, rien ne va plus. Est-ce qu'on en a besoin ce soir? Je n'ai pas trié ça pour ce soir, puisque c'était vraiment mon dernier moment. Non, on ne va pas en parler. On va parler... Ah, je suis obligé. Désolé, je suis obligé. Le biochoc, chez nous, en décodage, c'est le moment où le choc émotionnel se passe. Et un choc émotionnel va devenir un biochoc suivant quatre paramètres bien spécifiques. Sans ça, ce n'est pas un biochoc, c'est juste une mauvaise histoire, un mauvais moment à passer, quelque chose qu'on oublie. Mais ça devient un biochoc et on va l'enterrer et notre inconscient va avoir à le digérer. Je suis déjà dans le digestif. Notre inconscient va avoir à le traiter inconsciemment par notre biologie, puisque, je vous rappelle, c'est le super ordinateur qui fait fonctionner notre corps. Il ne sait faire fonctionner que notre corps. Il ne sait pas faire fonctionner la pluie, l'ordinateur, notre, ou la lumière, ou n'importe quoi d'autre. Notre
inconscient va répondre à cette agression par ce qu'il a sous la main, notre corps. Donc, avant le biochoc, tout va bien, je fais ma vie. Et puis soudain, il y a un choc émotionnel qui comprend les quatre paramètres du biochoc qu'on va voir après. Et après, ça va plus. Ces quatre paramètres sont très importants parce que c'est sur eux qu'on va jouer lors de la thérapie. Ce choc émotionnel, donc, le biochoc, il va créer un ressenti intense non exprimé qui s'imprime dans le corps. Seul si et seulement si, il y a quatre paramètres dans le contexte. Si le choc est de forte intensité émotionnelle, c'est-à-dire que ça ne vient pas quand vous cognez de votre pied dans les pieds de la table, même si ça fait très très mal, il n'y a pas de biochoc généralement, là, si on est tranquille, ça fait mal, mais ce n'est pas intense émotionnellement. On est sur l'émotion. C'est soudain inattendu. Vous ne le voyez pas venir. Ça vous tombe sur le coin du nez et vous ne pouvez rien y faire. Et vous ne l'avez pas prévu. Pardon, je suis déjà sur le suivant. C'est sans solution. C'est le troisième paramètre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé et vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Votre chien s'est fait écraser devant vos yeux sur la route. Il est mort. Et vous avez plus l'avenir. Vu la voiture arriver, c'est votre chien, vous dites, mais comme à votre enfant, mais il est mort. C'est le troisième paramètre. Et le quatrième, c'est vécu dans l'isolement. C'est-à-dire que vous pouvez exprimer votre vraie émotion à l'intérieur à personne. Vous êtes tout seul pour vivre ça. Vous n'allez pas vous mettre à pleurer pour votre chien écrasé dans les bras de votre voisin. Il va vous prendre pour un dingue. Parce que vous savez intellectuellement que c'est qu'un chien. Mais pour vous, c'est l'amour de votre vie. Mais lui ne peut pas comprendre. Donc vous restez seul avec ça. Vous avez quatre paramètres comme ça. Ça déclenche un biochoc. Et ce biochoc, il n'est pas gérable par le conscient, puisque le conscient, lui, s'est trouvé une solution, son truc. La tête, elle est faite pour réfléchir. Hein. Trouve une solution, comment on discute? Ah, mais je n'ai pas de solution et je ne peux pas en discuter. Voilà, c'est mort. Et puis, c'est tout. Donc, ça descend dans l'inconscient et ça va créer une réponse logique qui va être en fonction de l'émotion soulevée, le ressenti, pardon, soulevé à ce moment-là. Si, non, on va pas dire si, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que ça suffit là-dessus, voilà. On n'ira pas plus loin sur le décodage biologique. Notre travail de décodeur, principalement, le plus souvent, c'est d'aller faire exprimer le ressenti pour que la personne sorte de l'isolement. Et ça, il y a des gens apparemment ouverts d'esprit, qui n'ont peut-être pas cette vision-là non plus, mais qui ont quand même compris que lors d'un attentat, n'importe lequel, monter une cellule de crise où les gens peuvent venir parler, c'est super important. Parce que dans ce cas-là, ils vont débrancher tout de suite le troisième paramètre, et c'est des gens qu'on ne va pas revoir en consultation psychiatrique, psychologique ou chez nous, en disant « j'étais à l'attentat de… » Ça m'est arrivé cet automne de recevoir une jeune fille qui avait très très mal au dos. Et elle avait très très mal au dos depuis fin juillet. Et elle vient pour son mal de dos. Je vais être sur la table en thérapie manuelle énergétique. Et je sentais qu'il y avait quelque chose en elle qui n'était pas OK. Et je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé courant juillet? Et elle m'a répondu, j'étais à Nice. J'ai vu qu'il y avait écrasé les gens. Et j'ai rien pu faire. Et elle est allée à la cellule psychiatrique, en parler. Et on a juste parlé de ça. J'ai arrêté d'amener le docteur. Je lui ai fait vider son sac. Et elle a plus mal. C'était juste pas guidé. Son ressenti, ce qu'elle avait exprimé, c'était fort, c'était violent en termes de plein de choses. Hein. On n'est pas là pour ces détails-là, mais c'est juste de vider le ressenti même, 6 mois après, qui a suffi à résoudre son problème de dos. Super. Donc, à nous. À nous, vas-y. Les dépendances. Oui. Les dépendances à des produits sont des comportements... inconscient, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas arrêter de boire, on ne peut pas arrêter de fumer,
notre volonté n'est pas assez forte, on ne peut pas arrêter de travailler, on ne sait pas pourquoi. Et quand on ne sait pas pourquoi, bah c'est l'inconscient qui fait ça. Donc, le décodage, il est parfait. Quand quelque chose se passe et vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe, alors vous avez compris que ce n'était pas bon pour vous, que vous y allez quand même, que ce soit en dépendance à quelque chose, que ce soit en comportement, en relationnel, on verra dans 15 jours, vraiment du coup la dépendance affective, pourquoi je vais toujours vers ces hommes-là là, qui finalement sont tous les mêmes à la fin, pourquoi ça arrive qu'à moi, ben, c'est votre inconscient qui pilote. Et tant que votre inconscient pilote, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste commencer à remarquer que quelque fois que ça se reproduit, il va bien falloir que ça s'arrête. Je parle des relations. Après tout ce qui est consommation diverses et variées, là, oui, vous ne pouvez pas arrêter non plus. Et on peut chercher pourquoi, trouver pourquoi, résoudre pourquoi. Et là, c'est magique. Donc, par quoi on commence, Patricia ? Mais écoute, commence par l'alimentation, c'est un peu la dépendance par rapport à la nourriture, la boulimie. Oui. Vu que c'est ma spécialité. Bon, là, tu pourras en parler mieux que moi. Oui, donc, mais vas-y. Je vais essayer de faire bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, je vais mettre ma petite touche. Oui, mets ta touche. Tout ce qui est nourriture, archaïquement, depuis la grotte de l'homme préhistorique, et c'est pas du machisme ou quoi que ce soit, c'est la mère qui nourrit l'enfant. Biologiquement, quand l'enfant naît aujourd'hui, en 2017, celui qui va naître cette nuit, qui va naître demain, qui va naître tous les mois, les années à venir, il ne peut être nourri que par la mère. On n'a jamais vu un père allaiter son enfant. Ou alors sur YouTube, parfois. Non, c'est pas trop ce qu'il manque. Pardon. Biologiquement, archaïquement, la nourriture, c'est maternel. Donc, on peut partir du principe que tous les problèmes digestifs qui concernent les organes de la digestion, qui concernent le comportement alimentaire, ont un rapport plus ou moins direct avec la mère. Et c'est très général, et c'est un tableau très général, c'est une grande ligne. Tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Parce que chacun va avoir un ressenti spécifique pour ce qui s'est passé dans son histoire. J'ai travaillé parfois avec trois sœurs de la même famille. Et je vous jure, heureusement qu'elles avaient le même nom et que leur mère était maniaque, sinon j'aurais jamais reconnu qu'elles étaient de la même famille. C'était le seul point commun que les trois sœurs m'ont donné, leur mère était maniaque. Après, tout ce qu'elles ont vécu dans leur histoire, elles m'ont parlé de choses complètement différentes. Et pourtant, elles étaient trois sœurs qui s'entendaient bien, qui n'étaient pas en guerre, qui avaient chacune leurs problèmes, et elles avaient du coup chacune leurs problèmes parce qu'elles avaient chacune leur ressenti de leur histoire familiale. La nourriture, la mère nourrit. Quand on n'accepte pas la nourriture, quand on gère mal la nourriture, c'est... Alors, on peut dire, généralement, je vais reprendre cette notion de généralité parce qu'elle est assez importante au décodage. Il y a des bouquins très bien, comme celui-là, là. Je fais de la pub. Je fais de la pub, mais en fait, si vous n'êtes pas thérapeute en décodage, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Il va peut-être vous éclairer, vous donner des idées pour aller voir un thérapeute en décodage, mais... Tout seul, si, 10% d'entre vous, 20% d'entre vous, ça va marcher. Quand je dis la nourriture, c'est maternel, c'est une autoroute. On est sur une autoroute. Pour vraiment savoir si la nourriture vient du côté de la mère, il faut prendre la bonne sortie de l'autoroute. Et puis, à cette bonne sortie d'autoroute, il faudra s'arrêter dans la bonne ville. Et puis, dans cette ville, il faudra aller dans la bonne rue. Parce qu'il n'y a que dans la bonne rue qu'on va trouver le bon immeuble. Il n'y a que au bon étage du bon immeuble qu'on va trouver le bon appartement. Il n'y a que dans la bonne pièce de l'appartement qu'on va trouver la bonne commode. Il n'y a que dans le bon tiroir de la commode qu'on va trouver le vrai ressenti, celui qui valide que c'est bien un problème d'abandon par la mère
qui va créer les problèmes de boulimie. Mais c'est tout. Si on n'est pas allé jusqu'au fond de la commode, on n'est que sur l'autoroute. Et on peut se planter de sortie. Et alors là, on ne voit jamais la commode. Donc, voilà. Après, comment on fait, nous, on n'a pas de GPS intégré, thérapeute, hein, hop, un petit modèle particulier. Non, on va se laisser guider par le GPS interne du patient. Son GPS interne, c'est son émotion, c'est son ressenti. Chaque fois qu'on est sur quelque chose qui touche et qui parle, la personne qui vient nous voir, on est juste. Parce qu'on est sur l'émotion. Rappelez-vous, ce qui n'a pas été exprimé, ça crée le conflit. Donc, quand s'il y a encore de l'émotion, on est sur quelque chose qui n'a pas été exprimé, on y va, à tes souhaits. Ouais. Donc, ça te parle, toi. Et pour la boulimie, on parle, tu m'as dit boulimie tout à l'heure, ok. La boulimie, il y a un grand canal, une grande autoroute, on peut dire, on va suivre cette piste-là. C'est la piste généralement qu'on propose d'entrer ou très rapidement aux gens qui viennent pour la boulimie. Je veux l'amour de maman. Parce que, ça encore, il faut définir des choses. Finalement, on en sait des choses quand on est thérapeute et qu'il faut expliquer. Ouais. Les parents, ils ont deux rôles. Enfin, ils ont chacun un rôle très bien défini. Et là encore, c'est archaïque. C'est depuis la nuit des temps et de la grotte de l'homme préhistorique, il y a 3 millions d'années, que c'est comme ça. La mère, elle nourrit et elle réchauffe. Elle nourrit, elle réchauffe parce qu'elle l'aime. Si elle n'aime pas, elle la prend son petit, elle le pose. Dehors de la grotte, soit il meurt de froid, soit il se fait bouffer par les loups. Donc pour le bébé, c'est archaïquement vital que cette mère l'aime. C'est au fond de ses tripes, depuis 3 millions d'années, en tant que bébé, si notre mère ne nous aime pas, on est en danger de mort parce qu'on ne va pas être nourri. Donc, l'amour, c'est vraiment le plus important de la part de maman. De la part de papa, c'est la reconnaissance. Si papa ne nous reconnaît pas, parce que maman nous a reconnus, ben, c'est, on est sorti, évidemment, il n'y a pas d'erreur. Mais si papa ne nous reconnaît pas comme étant son fils, sa fille, papa ne va pas nous donner notre identité, notre place dans le clan à l'époque, et notre identité. Et chez nous, en France, ça marche encore bien aujourd'hui, c'est-à-dire que le père doit reconnaître son enfant. Et si le père ne reconnaît pas son enfant, l'enfant porte le nom de sa mère. Voilà. Le père donne officiellement à la mairie aujourd'hui le nom à son fils. Le nom, l'identité à son enfant, sa fille à son fils. Donc, le père, il a plusieurs rôles. C'est un peu compliqué. Ouais. Il y a aussi la protection de la mère et de l'enfant. Il y a plein de choses qui vont jouer autour, le support, le pilier, bref. On se revient sur la mère. Cette personne boulimique, normalement, dans la majorité des cas, si elle est sur la bonne autoroute, la bonne ville, la bonne commode et tout, bazar là, elle doit être en manque d'amour de sa mère, donc elle se remplit. De quoi ? Eh bien, de ce que archaïquement lui donne sa mère si elle l'aime, c'est-à-dire de nourriture. Et de nourriture généralement plutôt sucrée, parce que tout ce qui est sucré, c'est doux, c'est agréable, ça ne pique pas comme le salé, c'est pas amer, et ça rappelle la douceur de maman. Donc, on se remplit, là qui se remplit de n'importe quoi, tout ce qui passe, mais ok. C'est plus fort si c'est sucré. Oui, vas-y. Ouais, je voulais dire justement que, bon, moi, j'accompagne des personnes pour le poids depuis plusieurs années. Et c'est vrai que quand on touche vraiment la compulsion alimentaire dans le soin, quand je soigne non seulement avec des protocoles du décodage, mais aussi le système KIT, on retrouve toujours remplir le vide. C'est vraiment quand les gens sont en contact, je les mets en stress, imagine que l'armoire est scellée et que tu n'as pas accès à la nourriture, les gens ils ressentent un vide, mais un gouffre à l'intérieur d'eux. Et c'est sur cette émotion de vide affectif qu'on va travailler et permettre de libérer tout ça.
Et ce vide, il est affectif de l'amour de la mère, théoriquement. Après, voilà, ça peut être différent, mais dans la théorie, on va dire, la théorie, elle couvre 80% des cas. Si vous n'êtes pas dans 80%, vous ne reconnaissez pas là-dedans, ok, pas de souci, c'est qu'il y a autre chose, c'est votre histoire propre, et on va chercher votre histoire propre. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas perdu. On peut faire quelque chose pour vous, mais ce sera votre histoire à vous qu'on va les dire. Et donc, la boulimie, c'est j'avale, je le remplis, mais ma mère, dans la réalité, elle me donne des choses. Mais les choses qu'elle me donne, c'est pas bon. C'est dur, c'est de la peur. Donc, on ne veut pas. Une fois que je me suis bien rempli, je me suis rempli quelque chose qui est mauvais, d'une nourriture qui est mauvaise, parce que ma mère m'a rempli d'une nourriture mauvaise, elle m'a aimé à sa façon, qui était mauvaise pour moi, enfant. Mais ça, c'est dans l'inconscient. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être avant qu'on ait touché le ressenti. Si vous saviez ce que c'était, si vous aviez une vraie idée consciente de ce qui s'est passé réellement, il n'y a pas de boulimie. Le problème est réglé, on passe à autre chose. C'est vraiment ça, c'est que ça a été exprimé et ressenti. Et la plupart de mes clients sont dans le déni de l'abandon. Ils se disent, mais non, moi, ma maman, elle m'a aimé, tout ça, etc. Mais après, quand on va creuser, ils se rendent vraiment compte que c'est un amour toxique ou pourri. Ou souvent, ils aiment leur bébé, mais ils n'aiment pas qui tu es. Ils aiment leur bébé parce que potentiellement, il va les aimer. Et que c'est une personne qui les aimera toujours. Parce qu'ils n'ont pas été aimés par leur mère. Donc, il faut un bébé pour être aimé par quelqu'un. Ouais. Oui, alors aussi d'avoir ces rôles inversés de parents de remplacement, etc. Ça, c'est... Ah, écoute, Christophe, parce que le temps, il passe vite. Donc, je propose... alors, sur mon site Libre et Légère, il y a une vidéo aussi qui explique tout ça. Donc, c'est libre-et-légère.ch. Si jamais il y a des présentations par vidéo, vous pouvez aller voir par rapport au poids. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on va... Peut-être la dépendance au travail, ça serait intéressant aussi. Ouais. Vas-y. C'est pas mal parce que ça touche beaucoup, beaucoup de monde et de plus en plus. Oui, c'est grave. Pourquoi de plus en plus de monde aujourd'hui est touché par ça? Parce que notre monde aujourd'hui, alors, pardon, théorie du décodage, à laquelle j'adhère, hein, je dois dire, mais ce n'est pas une vérité, encore une fois, c'est notre façon de voir les choses. Par le travail, on acquiert quoi? De l'argent, d'accord? Quoi d'autre? La valeur. La reconnaissance. Ouais, la reconnaissance. Ouais. La reconnaissance. Si on travaille des heures et des heures et des heures pour un chef qui finit toujours par nous jeter, c'est en espérant qu'un jour, il ne va pas nous jeter. C'est en espérant qu'un jour, il va reconnaître ce qu'on fait. Et avant mon accident, je travaillais dans un bureau d'études. Je vous en parlais, de la reconnaissance. Un bureau d'études techniques en industrie, où on traitait des dossiers, des schémas de câblage électrique. On sortait des dossiers de 100, 150 pages où on devait raccorder des appareils électriques d'un bout à l'autre et il fallait que ce soit juste. Il fallait que le fil rouge qui partait de telle borne à telle, il arrive au bon endroit, câblé par l'électricien, sinon ça ne marchait pas. Donc il fallait vraiment que ce soit précis. Sinon ça ne marchait pas, s'il n'y avait pas à tergiverser, il n'y avait pas de peut-être, non, oui, non, précis. Et j'étais très à cheval. C'est moi qui pilotais le bureau d'études, j'étais très à cheval sur « il faut que ce soit juste ». Pourquoi? Parce qu'il fallait que le client soit content. Pourquoi? Parce que ce type-là, il disait du mal de nous. Donc de moi, j'étais le chef. C'était moi qui en prenais dans la figure. Et mon chef de ma boutique, on était à trop peu d'extérieur, venait me voir en disant « ça ne va pas, ils râlent, ils ne sont pas contents ». Donc j'en prenais deux fois dans la figure, par les clients qui étaient mon autorité suprême et par mon chef qui était l'autorité intermédiaire qui venait m'envoyer. Donc, je cherchais à ce que mon travail soit parfaitement, pour être parfaitement reconnu comme étant compétent. Pourquoi? Parce que je n'avais pas été reconnu par mon père. Désolé, papa, si tu m'écoutes ce soir, tu apprends peut-être des choses. Peut-être que je te l'ai déjà dit. Il avait une façon de reconnaître qui ne me convenait pas à moi. Et c'est pas... il n'a pas fait assez bien. C'est que moi...
enfant de cet homme-là, j'avais besoin de quelque chose que je n'ai pas eu. Et j'ai cherché toute ma vie à compenser, à compenser, à compenser. Dans mon travail et dans l'excellence de mon travail, c'était le cas. J'étais très pénible pour mes collègues, que j'adorais, hein, mais j'étais très pénible, très carré quand même. Et du coup, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai essayé d'avoir une autre reconnaissance. Je suis allé faire des compétitions en moto. Et être second, troisième du championnat de France, c'était super. C'était pas assez. Il fallait être premier. Parce que c'est le premier qui a la reconnaissance. Les autres, on les oublie. Et je suis tombé en course, parce que ça aurait été trop simple, trop bizarre. Je suis tombé en reconnaissance, parce que je faisais des rallyes sur la route, donc il fallait reconnaître les spéciales. Et je suis tombé en reconnaissance, et c'est là que j'ai failli mourir, en reconnaissance, pour avoir la reconnaissance, non pas de mon père, mais de mes pères, PIRS, motards. Donc, ceux qui font des burn-out, ils sont juste là pour se prouver qu'ils peuvent faire tout ce qu'on leur donne, pour se donner une valeur à eux-mêmes, pour montrer leur valeur aux autres, mais il y a une histoire de valeur et de reconnaissance, qu'elle soit pour eux ou pour eux. C'est encore 80% des cas. Si vous ne reconnaissez pas, on peut en discuter en dehors. Oui, moi j'ai été désiré garçon, donc toute ma vie jusqu'à il y a pas longtemps, il y a 5-6 ans, je faisais que des trucs de mec. Je suis capable de poser du carrelage, faire du bois, toutes sortes de choses. Donc, j'aime bien être en salopette. Et c'est vrai que c'est pas très féminin. Donc, quand je me suis autorisée à être femme et à arrêter de chercher la reconnaissance et du père et l'amour de la mère, eh bien, j'ai pu découvrir une autre vie et devenir une femme, ce qui est aussi très confortable. Donc, on va très loin hein, quand on cherche la reconnaissance. On peut faire vraiment des trucs de fou, quoi. Ouais, parce que c'est important. On n'est pas reconnu, on est mis en dehors du clan. Rappelez-vous l'homme préhistorique. Ouais. Enfant, bébé, je ne suis pas reconnu par mon père me prend, me met en dehors du clan, en dehors de la grotte, et je meurs. C'est vital. Et ça fait 3 millions d'années que ça dure. Aïe, et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer si vite, parce que si ça fait 300 ans qu'on n'a plus peur de mourir dehors d'une grotte, je suis large, enfin, c'est pas si, je suis juste pour le calcul, ça fait juste un 10 000ème du temps que nos inconscients d'êtres humains ont passé en sécurité, un 10 000ème. C'est pendant 10 000ième du temps qu'on va régler le problème. Ça, c'est clair. Donc, on travaille dessus aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce qu'on passe ouais. On passe à l'alcool, par exemple ouais. À l'alcool, par exemple. Ouais. L'alcool, par exemple. Alors, l'alcool, c'est... comment dire? C'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat parce qu'on le cache. La première chose qu'on a travaillé avec quelqu'un qui vient pour de l'alcool, c'est d'abord le féliciter parce qu'il vient nous avouer qu'il boit et il vient demander de l'aide. Et boire, c'est une façon cachée de marquer sa dépendance. Et c'est encore une dépendance affective. Le travail, c'est pas vraiment affectif. Ce n'est pas vraiment affectif dans le sens où ça n'a pas à voir avec de l'amour, juste de la reconnaissance du père. L'alcool, j'ai encore caché le mot, mais à moitié, c'est encore une fois avec la mère. Pourquoi avec la mère? Vu du décodage biologique, encore une fois. Biologiquement, l'alcool, c'est du sucre sous forme liquide. L'alcool, c'est gavé de sucre et rempli de sucre. C'est pour ça que c'est interdit dans tous les régimes, parce que c'est un massacre. Et alors, des diététiciens nous diront bien mieux que moi, parce que je ne suis pas diététicien, pourquoi, est-ce que ça fait, etc. Très bien. Moi, j'ai retenu que c'était du sucre sous forme liquide. Et ce sucre sous forme liquide a un avantage. C'est que comme tout à l'heure, on a parlé du sucre pour la boulimie, je reviens sur la boulimie, parce qu'il manque un truc là. On n'a pas dit et ça me titille. Le sucre sous forme liquide, c'est la douceur. C'est la douceur de maman. Et pourquoi encore plus maman?
Vous avez passé où les premiers watts de votre existence sur la Terre? Dans le ventre de votre mère, dans le liquide amniotique. Donc ce liquide vous rappelle le liquide du ventre de votre mère. Et il nous rappelle aussi, si on s'éloigne un petit peu pour faire un peu de symbolique, on n'est plus dans la biologie, hein, il nous rappelle aussi qu'on est sur cette Terre grâce à la mère. C'est de là qu'on vient. C'est notre berceau, une naissance. Si on recentre un petit peu sur la biologie, on a aussi le liquide qui est nécessaire à la vie, qui est vital. Et c'est la mère, je suis désolé messieurs, mais c'est la mère qui est nécessaire à l'enfant, qui est vital à l'enfant, encore une fois. Le père, il vient une fois et il peut disparaître, l'enfant va vivre. Pas très bien, je suis d'accord, et j'en vois beaucoup, mais il va vivre, biologiquement il peut vivre. Donc, alcool, solution parfaite pour ingérer du sucre sous forme liquide. Donc, solution parfaite pour récupérer l'amour de maman. Ouais. Et, encore une fois, 80% des cas. Cherchez, admettez, explorez, ouvrez-vous à cette histoire-là, si vous êtes concerné par l'alcool et que ça ne vous parle pas. Parce que c'est en vous ouvrant à ce qui peut-être a été caché bien bien loin que vous allez peut-être vous dire « ouais, il faut que je creuse ça plus loin ». Et tant vous n'aurez pas exprimé ce ressenti-là de « l'amour de maman me manque », ça ne marche pas. L'alcool a aussi un effet qui fait oublier la douleur. Donc ce manque d'amour, il est douloureux, ça fait mal. L'alcool est une anesthésie. Biologiquement, hein, on revient sur la biologie, l'alcool anesthésie, il permet d'avoir moins mal. Il permet aussi de l'exprimer, hein, les gens, ils s'ouvrent un peu quand ils boivent, ouais. Bon, ils ne mettent pas les bons mots dessus, quoi. Ils ne mettent pas les bons mots, mais il faut les écouter. Ouais, voilà. Et puis, dis-moi, bien sûr, on voit souvent, j'ai vu souvent des gens dire « ouais, mais chez nous, on boit tous ». J'ai dit « ouais, cool ». Donc ça, on traitera dans 2 semaines, c'est le transgénérationnel, hein, quand il y a justement des histoires de famille où les gens disent bah, « chez nous, on est tous gros, chez nous, on fume tous, chez nous, on boit tous ». Ben voilà, donc y a plusieurs empreintes, hein. Y a dans la petite enfance, il y a dans le ventre à maman, mais il y a aussi dans le transgénérationnel, et tous ces éléments font que. Voilà. Oui, c'est valable pour la reconnaissance, pour le travail, c'est valable pour la nourriture, pour tout. Ouais. Si je reviens vraiment sur la boulimie, pour tous les problèmes, on va dire, de nourriture, la boulimie en particulier, c'est que il y a un conflit de dégoût, de répugnance. La silhouette, le conflit avec notre silhouette crée, alimente un système biologique qui s'appelle le conflit, enfin, qu'on appelle le conflit de silhouette, c'est-à-dire que le dégoût, la répugnance va créer une réaction chimique chez nous, dans le pancréas. Et pour digérer quelque chose de dégoûtant, biologiquement, le pancréas va produire beaucoup de sucre. Enfin, avoir besoin de beaucoup de sucre pour produire je sais quelle hormone. Je m'en demande plus. Ouais. Et du coup, on fait de l'hypoglycémie, on file au frigo, puis on se dit, zut, je commencerai demain à faire le régime. Et en fait, il faut vraiment entendre ce conflit de silhouette, vraiment entendre que quand on a besoin de bouffer, c'est juste qu'on est en train de régler un conflit de dégoût et vraiment éviter d'être dégoûté. La première chose, c'est s'accepter, accepter son corps, accepter son image, pour sortir du conflit de silhouette, parce que c'est lui qui va verrouiller tout le système. Dès que votre surpoids va devenir insupportable pour vous, voilà, vous rentrez dans ce conflit de silhouette et c'est lui qui bloque tout. Ouais. Alors, écoute, on passe à la cigarette. Et si on arrive à tout faire, ou encore la dépendance au sexe. Ouais. Hein, faut en parler aussi, c'est important. Alors, dans le chat, il n'y a rien pour le moment, parce que ça me semble tout clair. Donc, ouais,
Attends, je vais demander, Biggie, do I have the chat okay? I see no questions. Bon, écoute, on continue. Okay. Vas-y. Donc, vas-y pour la cigarette. Alors, la cigarette, il peut vraiment avoir plusieurs facteurs. Donc, on va pas être sur 80% à chaque fois, mais je vais vous donner un petit peu de ce qui se passe et de ce qui peut se passer pour les uns les autres. Quand on fume, biologiquement, on va détruire les muqueuses de ses poumons. C'est fait. C'est fait pour ça, et c'est pour ça que notre inconscient nous pousse à fumer. C'est pour qu'on détruise les muqueuses de nos poumons. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé d'en reconstruire des nouvelles muqueuses. Vous savez que si vous arrêtez de fumer, vos poumons vont retrouver leur jeunesse, vont être totalement nickel au bout de quelques mois, parce qu'il se reconstruit tout seul. Et c'est la reconstruction de ses poumons qui est cherchée par le fumeur. La reconstruction de ses poumons, pourquoi ? Parce que les poumons représentent notre espace intérieur, grand et le plus protégé. Et si notre espace intérieur grandit, on est satisfait. Pourquoi on est satisfait ? Parce que notre espace à l'extérieur, il nous écrase, il nous étouffe. Donc, on a besoin de respirer notre air à nous, vraiment notre air à nous, ce qui est à l'intérieur. Et pour ça, on crée plus de poumons. Comment créer plus de poumons ? En en détruisant. Réfléchissez à la logique. Je détruis mes poumons, donc je les reconstruis. Je les reconstruis, ils sont neufs, ils marchent mieux, donc je vais mieux respirer. C'est logique. Je vais mieux respirer parce que j'ai des poumons neufs. Oui, mais si je dois les détruire, ouais, mais c'est le seul moyen de mieux respirer avec des poumons neufs. C'est le seul moyen de refaire des poumons neufs. Sinon, si je ne fume pas, je ne refais pas des neufs, tout simplement. Après, alors, mon air à moi ou être libre ? Parce que notre espace intérieur, c'est notre liberté. On va reparler de liberté dans les deux autres points que je vais citer. Mais c'est important, l'extérieur qui nous oppresse, qui nous étouffe, nous empêche d'agir. Donc, essayez pas de contraindre un fumeur à arrêter, vous n'y arriverez jamais. Vous allez juste appuyer sur le conflit, ça ne marchera pas. Laissez-lui l'espace d'arrêter de fumer. Là, ah, tiens, il est dans ton espace, ça me parle mieux, je vais essayer. Non, je rigole, mais on est vraiment dans les deux opposés. Parfois, ça vient d'une ambiance à la maison qui était étouffante, petit, ou qui était étouffante chez papa, et moi j'exprime en fumant, ou qui était étouffante chez maman. Hein. Là, il n'y a pas de, sexe dans la cigarette. Certains diraient quand même que c'est la cigarette, il y a de la fumée, tout ce qui est fumé monte au ciel et que symboliquement c'est le père, mais c'est symbolique, c'est pas biologique. Donc, des fois, on peut axer sur le père, mais voilà, c'est pas obligé. Et fumer, ça va aussi atteindre autre chose que les poumons, c'est toutes les muqueuses de l'odorat. Ça va empêcher de sentir. Ça va empêcher de sentir quoi ? Ben, d'empêcher de sentir quelque chose qu'il ne faut pas sentir. Et la fumée, elle peut être vue comme quelque chose qui brûle, il ne reste que des cendres, tout est mort derrière. Après, la fumée, quand ça sent la fumée, c'est que ça a brûlé et que c'est foutu, c'est mort. Et ça peut être un symbolisme de mort. Donc, fumer, ça permet de ne pas sentir la mort qui rôde autour de nous. Et là, on est plus dans le transgénérationnel. On est plus dans une peur de mourir, inconsciente encore, et cette peur de mourir inconsciente, elle est plus transgénérationnelle, elle est plus due à nos parents, notre histoire, vraiment petit, mais voilà, c'est autour de trois points. Deux parents, donc mon père orphelin et ma mère semi-orpheline, et les deux fumaient comme des pompiers. Et ils nous ont fumé dans la voiture, mais aussi après, dans la vie, ce que j'avais remarqué, c'est que je me sentais vraiment privée de liberté. C'est vrai, faut que je respire mon air à moi. Ouais. Vraiment, ça me parle énormément. C'est mon cas. On peut faire une petite dérive, oui, c'est un petit peu. Oui, 12 minutes. Sur les drogues. Oui. Assimiler. Le pétard, le bois, pour qu'on le fume. Encore une fois, c'est pour être libre. Mais là, on cherche en plus dans la drogue
à sortir de la réalité. Ça permet d'être libre, de fuir la réalité. Et fuir la réalité, c'est souvent, ça se retrouve souvent chez des gens qui sont sentis seuls enfants. Être seul quand on est enfant, c'est terrible, parce qu'on est avant tout des êtres sociaux. Et se retrouver adulte, à recontacter cette douleur d'être seul enfant, chez son enfant, chez les enfants qu'on connaît, ou tout seul adulte dans sa vie, parce qu'on est tout seul, parce qu'on n'a pas réussi à tisser le lien social, de vrais liens, à s'entendre avec des gens avec qui on peut parler avec le cœur, qui peut s'ouvrir et être soi, ben souvent on va vers le pétard pour cette raison-là. Après, tout ce qui est toxique, autre, on parle sur la dépendance affective encore. J'ai listé ça parce que je ne connais pas toutes par cœur. L'héroïne, on cherche à être un héros, tout simplement. Là, on est dans le symbolique, mais l'héroïne va fixer ça. L'héroïne, dans le sens, je vais sauver les autres. J'ai besoin de sauver quelqu'un, donc il faut que je sois un héros, donc héroïne. Tout ce qui va être drogue avec laquelle qu'on s'injecte en nous vont parler de drogue qu'on met dans le sang. Et le sang, au niveau des codes logiques, parle des liens du sang, donc de la famille. Donc tout ce qui va, toutes les personnes qui vont utiliser ces drogues-là vont exprimer un conflit dans les liens du sang. Il faut sortir de la réalité des liens du sang. 5 minutes. Ouais. Ouais. Et tout ce qui se prend sous forme de cachet, bah, c'est sous forme digestif. Tout simplement, on en revient tout à l'heure à la mer. Le sexe, le meilleur pour la fin, on va dire. Quelle que soit la façon dont il se manifeste, le sexe va. Donc la dépendance au sexe. La dépendance au sexe, hein, pas le sexe en lui-même. Hein. La dépendance au sexe, c'est toujours l'extrême. Hein. On est toujours dans l'extrême. Vous pouvez fumer une cigarette de temps en temps, vous n'êtes pas dans le conflit. Hein. La dépendance va se déterminer à partir du moment où il y a un excès. Le sexe, il est fait pour se reproduire. Archaïquement, les animaux, ils se reproduisent. Le plaisir, on ne sait pas trop, mais a priori, ce n'est pas le but pour eux. Sinon, ils feraient ça régulièrement et pas qu'aux périodes de reproduction. Nous, on fait ça régulièrement parce qu'on a été capable de créer le conflit de perte. Quand on perd quelqu'un, eh ben, il faut se reproduire pour le remplacer. Et se reproduire va être dans l'excès. Se reproduire, ça veut dire produire quelque chose qui est du sexe. Ça peut être de la masturbation. C'est une façon symbolique de se reproduire puisqu'on produit du sexe. Mais ça peut être des multipartenaires, ça peut être tout ce qui est extrait de sexe. Ça peut être aussi pour les femmes, généralement, les hommes parfois, combattre, régler, maîtriser des mémoires de viol, d'inceste ou d'attouchement. Parce que quand on est dans le sexe, quand on maîtrise à fond l'accessibilité avec plein de partenaires, on est en sécurité. On est le plus fort, on est la plus forte dans ce domaine-là et nous aurons plus. C'est terminé, on maîtrise ça. C'est la façon de se défendre. D'accord. Ça peut être aussi alors, fascination. Oui. Parce qu'on n'a pas été, on va dire, on n'a pas été mis au courant par nos parents. Ils ne nous ont pas expliqué comment ça marchait. Ça nous a toujours super intéressés. Et on a toujours été très, très, très frustrés de ces questions sexuelles auxquelles on n'a jamais eu aucune réponse. Et puis même qu'on n'a peut-être jamais posé aucune question. Donc on explore, on explore, on explore, on explore, on explore. En attendant que papa et maman viennent nous expliquer, parce qu'on ne sait toujours pas comment ça marche. Ouais. Chez les animaux, ils apprennent à travers le jeu. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes. Donc, Christophe, dans la vidéo et dans la rediffusion, vous aurez le lien qui donne accès à ton site. C'est christophe-rossa.fr. Et puis, vous aurez aussi le mien. Donc, mon site dépendance-affective.ch,
Il sera fini d'ici 2 semaines, complètement fini. Donc, pour l'instant, on vous titille un peu avec tout ça, toutes ces infos. Mais vous pouvez déjà vous inscrire sur mon site pour recevoir votre cadeau, qui sera un questionnaire, hein, qui va vous permettre déjà de voir ce qui réagit chez vous par rapport à la dépendance. Donc, ce questionnaire sera en ligne ce week-end, mais vous pouvez vous inscrire et Christophe va préparer aussi un pack où vous apprendrez à construire votre arbre généalogique et tout ça, on en parlera dans 2 semaines. OK ? Ouais. Voilà, donc vous pourrez être accompagné par nous deux si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répond avec grand plaisir. Et on travaille par Skype. Ouais, exactement. À partir du moment où on voit les gens en face, la caméra va filtrer un peu de choses, mais avec l'expérience, pas assez pour qu'on passe à côté. Et puis, on est des thérapeutes énergéticiens, donc on ressent très bien, même au bout du monde, les émotions des personnes. Même dans les pays étrangers. Exactement. Voilà. Ouais. En tout cas, je te remercie énormément, Christophe, et je me réjouis de te revoir dans 2 semaines où tu vas nous expliquer justement comment s'installe la dépendance à travers le transgénérationnel. Et là, à partir de ça, vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui vont permettre d'éclairer votre lanterne et puis peut-être vous amener à vouloir changer de vie et vous libérer. Ouais, ouais, ce soir, c'était un... Je t'ai appris dimanche que c'était pour aujourd'hui. Oui. Maintenant, dans 2 semaines. Donc, j'ai... Voilà. Je sais que c'était parfait. C'était parfait. Ouais, très bien. Mais ce que je prépare dans 2 semaines, c'est plutôt ma spécialité, mon violon dingue, mon bébé à moi. Et voilà. Voilà. Et je pense que ça durera en tout cas 2 heures. Donc, on va voir si on démarre à 7 heures ou si on peut faire de 8 à 10. À voir. Voilà. Donc, je te remercie énormément. Christophe, si tu as encore quelque chose à dire, des infos, vas-y. Non, je pense que l'émission sera diffusée sur le site de la chaîne. Oui, très bientôt. CCN TV, on mettra les liens sur Facebook et puis transmettez ça parce que vraiment, on vit dans une société qui est bourrée de dépendance. Il y a les jeux, la télé, le Facebook, les téléphones, c'est une cata. Donc, si tu as encore 1 minute à dire... quelque chose sur ces genres de dépendance. Les jeux. Après, on est dans le sortir de la réalité. Facebook, c'est la réalité virtuelle de ma vie est parfaite. Et de j'ai une relation sociale. J'ai 3500 amis. Il n'y en a pas un qui vient quand tu as des ennuis. Hein. Ou alors, c'est de vrais amis. Et puis tout ce qui est vidéo, c'est jeux vidéo. Après. Chaque jeu vidéo va être différent entre la jeune fille qui va créer ses modèles de mode, participer, etc. On est dans la valeur de sa création et exprimer sa créativité, la faire reconnaître toujours. J'ai vu très récemment un jeune homme qui a 17 ans qui fait des jeux de combat sur son téléphone, à qui il ne faut absolument pas parler en ce moment-là, parce que si jamais il rate son combat, il descend dans le classement. Et ça le rend dingue, parce qu'il veut être en tête du classement. Comme moi, je veux être en moto, lui, c'est dans les combats. Il se trouve qu'il est comme ça, qu'il a 17 ans et que c'est moins épais de tout le monde. Et son problème, c'est sa valeur physique. Et là, dans le combat, à travers le jeu, il la gagne. Alors, si vous êtes jeune papa et jeune maman, prenez soin de vos enfants. Soyez présents. Parce que de tout petit jusqu'à l'âge d'autonomie, c'est-à-dire 16 ans, 17, 18, 20, eh bien, vos enfants ont besoin de reconnaissance, d'amour, un amour inconditionnel et qui n'est pas teinté de peur et de choses. Donc, sachez une chose, quand vous travaillez sur vous, ça agit sur vos enfants aussi. Ça, j'ai trouvé assez magnifique. Et sur vos parents. Oui, et sur les parents et sur nos parents aussi, c'est impressionnant. Mmh. Donc, osez. Vous prendre en main parce que la vie, elle vous amène des cadeaux que vous ne pouvez pas imaginer. C'est vraiment merveilleux. Bien, merci Patricia. C'était le mot de la fin. Alors, Biggie, je ne sais pas.
It's finished. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest-running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.